What's up my playboy, what's up my playgirl, welcome to ETV Fit, ton émission sport préférée. Alors aujourd'hui on va travailler en superset, ça vous permettra de dépenser un maximum de calories dans un minimum de temps. Donc ça va nous permettre de travailler deux groupes musculaires, on va travailler le dos et les triceps. Donc d'abord on va commencer avec le dos, on va commencer avec un gros groupe musculaire. Et ensuite, pour terminer, on va finir par les triceps, qui est un petit groupe musculaire. Alors, d'abord, on commence avec le rowing bar. Vous allez incliner le dos, mais sans courber le dos. Vous allez incliner le dos en gardant une position fléchie au niveau des jambes. Et vous allez ramener la barre au niveau du bas de l'abdomen. Évitez vraiment de courber le dos pour ne pas vous faire mal au lombaire. Donc, on inspire en montant et on souffle en descendant. Vous allez faire environ 15 répétitions. Deuxième exercice, tout de suite après, on enchaîne avec les triceps. On va faire la barre au front. Donc, vous allez récupérer une barre droite ou en Z que vous allez ramener au niveau du front, comme son nom l'indique. Donc, on fléchit les avant-bras et on remonte avec les bras tendus. Donc vous allez verrouiller en haut et vous redescendez avec les bras à la parallèle au sol. Troisième exercice, on revient sur le dos. On va travailler avec le tirage bûcheron. Donc le tirage bûcheron, vous allez vous installer juste sur un banc à plat. Que vous allez déposer une main sur le banc et vous ramenez l'haltère au niveau du grand pectoral juste à côté. On ramène vers l'avant, le bas. Et on ramène ensuite le bras vers le grand pectoral. Quatrième et dernier exercice, vous allez travailler mon exercice préféré. Là, vous allez récupérer juste une haltère pour pouvoir travailler environ toujours 15 à 20 répétitions. Et vous allez fermer les coudes. On ramène l'haltère derrière la nuque et on remonte au maximum. On ramène derrière la nuque, on fléchit bien les bras, on garde les coudes alignés. Et on descend et vous montez en soufflant vers le haut. À la fin de chaque exercice, n'oubliez pas de faire vos abdominaux. Vous allez pouvoir trouver cette vidéo d'entraînement des abdominaux sur le replay de TV. J'espère que ces exercices vous seront bénéfiques. Quant à moi, retrouvez-moi pour une nouvelle émission sur ETV Fit.